les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Entai qui revient pour une ouverture de folie. Alors aujourd'hui, on va s'ouvrir un tri-pack et un solo-pack d'origine perdue. Nous continuons notre petite exploration d'origine perdue. Oui, finalement, je me suis dit, pourquoi pas, on va faire un deuxième épisode sur origine perdue au vu du résultat du premier épisode. Donc je ne spoile pas pour éviter ceux qui n'ont pas vu la vidéo de ne pas être spoilés, voilà, forcément. Donc si vous êtes prêts pour faire ce deuxième épisode, et ben c'est parti! Alors voici le solo pack avec Giratina en couverture. Et ici, donc la première fois j'avais pris un tri-pack Regigigas en carte promo. Cette fois-ci j'ai pris le fameux Dimoré. Donc ce sont les deux choix qui sont proposés quand vous achetez un tri-pack d'origine perdue. Vous avez soit Dimoré en promo holographique ou Regigigas. Je vous propose qu'on commence par le petit solo pack. Voilà, petite Giratina. Espérons qu'il m'offre un petit. Vraiment une grosse carte. Ouais, on a du mal à les ouvrir, comme avec Astre Radieux. Même les boosters, certains boosters. Oh merde, c'est vrai. J'avais oublié, à force de trop parler. Et bah, on en finit par faire des conneries. Voilà, bon bah on sait qu'on n'a rien ou peut-être une petite TG. Énergie Foudre, Machopper, Portail Mirage, Blarnalis. Ah non, on n'a rien. What? C'est quoi cette arnaque? On a deux reverse dans un même booster? Je vais peut-être dire une connerie, mais je pense que ce Limmagma devait très certainement être une potentielle radieuse ou bien une petite TG. Et à la place, il y a une erreur, on va dire, il y a une petite erreur, une légère petite erreur. Ils m'ont mis un petit Limmagma en reverse. Néanmoins, ça ne change rien au fait qu'on n'a rien eu dans ce solo pack. Espérons que le tri-pack sera plus généreux. Hop, voilà, de toute façon, on s'en fout. Le petit jeton que vous connaissez déjà. La carte code du tri-pack. La carte promo d'Imoré. Voilà. Belle petite promo. Et nous avons les fameux boosters, donc Giratina. Et lui, j'arriverai jamais à retenir son nom. Je propose qu'on ouvre ces deux-là en premier et on finira par le petit Giratina. Allez, nous on veut du très très lourd. Solo pack, c'était de la merde. Là, il nous faut un gros banger. Donc, cette fois-ci, je fais pas de conneries, je révèle pas la couleur de cette carte code. Caninos de Issues, Sonkoki, Konton, donc je les passe vite fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux dernières cartes. Otaria, Énergie Feu, Mademoiselle, donc je l'ai encore jamais eu cette carte. Donc, Mademoiselle, en dresseur. Voilà, Lamperois. On a Migalos en rare reverse. Voilà, c'est la première que je vois. Et derrière, nous aurons un Rogrigou. Très matinal. J'en attends beaucoup de cette ouverture et comparé à la dernière fois, j'étais vraiment pas. J'en attendais rien. Donc j'ai eu de la chance et là, cette fois-ci, comme j'ai des attentes, bah, je risque peut-être de rien avoir. Voilà. Allez, Otaria, Polichombre, Machoke, Pikachu, Brocélome, la petite Énergie Vestar, Énergie Cadeau, Blizzaroi, Ville Perdue. Parasect en reverse. Plutôt, ouais, elle est pas mal. Avec ce petit coup de crayon. Et derrière, nous aurons un simple Mimiki en rare. Hé hey Mimiki, viens par ici. Tu sais qu'Halloween, ce n'est pas maintenant. Quoi? Mes espoirs reposent sur toi, Giratina. Je la sens pas du tout, cette ouverture. Paras, Sepiatop. Ouais, Brocélome, Makuhita, Énergie Psy. Reliquante, aspirateur perdu, Tritosaur, allez derrière, donne-moi un truc. Oui, on a une petite TG. Fou. Et nous avons affaire à
Lugulabre. En. Ouais, c'est une. Ouais, c'est une TG, ouais. TG, c'est la 0,4 sur 0,30. Et derrière. Un ectoplasma holographique. On a été sauvé par ce dernier booster. Ah, c'est bon, t'as gagné. Cette petite ouverture m'a un peu déçu. C'est pas non plus catastrophique. On a quand même eu deux petits bangers dans le dernier booster. Moi, je dis que c'est correct, hein, c'est plutôt correct. C'est sûr que ça vaut pas la première ouverture de tripack que nous avons fait la semaine dernière. Mais voilà, c'est correct. De toute façon, je m'y attendais. On avait le choix entre du banger ou rien du tout. Là, on a eu un petit quelque chose. Et pour une série qui me hype pas trop, c'est plutôt correct. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Je ferai très certainement une autre ouverture de tripack, Origine perdue, ou peut-être le TB, ou bien autre, on verra. Quoi qu'il en soit, les amis, j'espère que je vous ai assez divertis pour aujourd'hui. C'était Tristater en direct, et on se dit à la fois prochaine pour une nouvelle ouverture. Bye bye!